Radio BS. Votre première web radio. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Thierry Sastournet, donc je suis président du tennis de table de Bolayenne depuis 2 ans. Donc auparavant j'étais trésorier. Là on a organisé donc c'est un top jeune, top féminin et championnat vétéran départemental. Donc alors c'est des équipes de 4. Donc voilà, on fait tous 4 simples, donc, on se rencontre tous et il y a 2 doubles. Donc ça fait des parties à 18. Donc, voilà. Le club il a actuellement donc 3 équipes. Une en pré-régionale, une en première division championnat de Savoie et une autre en deuxième division championnat de Savoie. Actuellement, donc, on est à 45 licenciés. Donc, licenciés, c'est tout confondu donc, avec loisirs et compétiteurs. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a une baisse de régime, il y en a plein qui ont arrêté par rapport à la saison passée, où on était 81 l'année dernière. Donc c'est vrai que ça, finalement il n'y avait pas assez de renfort pour garder cette équipe en Régional 2. Donc finalement elle est descendue jusqu'en pré-régional et on espère justement avoir de la faire remonter en Régional 3 voire 2. Jean-Christophe Comines, je suis donc le président du comité de Savoie de tennis de table. Je suis venu ici donc aussi pour représenter la Ligue dont je suis le secrétaire général et regarder l'organisation de cette belle compétition qu'on a une fois par an. Je suis Fabio Petreni, je suis le conseiller technique départemental du comité de Savoie. Je suis là comme Jean-Christophe pour regarder l'organisation de la compétition, aussi pour suivre surtout les jeunes dans la catégorie Poussin Benjamin, donc la catégorie de la détection, dont on est particulièrement attentif. Je rappelle quand même que le comité de Savoie représente 12 clubs, un ensemble de licenciés proche des 900 pour la saison 2018-2019, que la difficulté qu'on retrouve quand même dans ce sport, c'est d'attirer un maximum de petits, car il est quand même assez difficile pour un enfant de 5 à 7 ans de venir à la table et c'est compliqué pour lui, vu la hauteur de la table, de pouvoir être tout de suite attiré par ce sport. Du coup, les top détections, ça fait partie donc des compétitions de référence du département. Ça me permet aux entraîneurs, comme moi et mes collègues qui travaillent directement dans les clubs, de repérer les meilleurs profils du département et leur proposer un peu plus d'entraînement. Les deux, trois premiers classés dans le tableau Poussin et dans le tableau Benjamin 1 seront qualifiés pour l'échelon régional. Pareil, idem, donc encore une fois, il aura donc le meilleur profil de la région sur cette compétition. Et au niveau des licenciés, on est aux alentours de 700. L'envie du comité de Savoie, c'est de passer la barre des 1000 licenciés. Le comité de Savoie, par rapport à l'ensemble de la région, aura un petit comité, mais un comité extrêmement dynamique, de par le fait qu'on a justement un entraîneur qui est mis à disposition par le comité et qui permet aussi d'aller dans les clubs, dans les différents clubs. Belay est en pleine renaissance. Ils ont fait le choix de reprendre quelqu'un qui est en Ducru et je tiens à saluer quand même Pascal Piscis et Thierry Sastourne qui sont là pour développer ce club qui, on en est certain, sera à la fin de la saison sportive dans une grande marche de progression au niveau des licenciés. La prochaine compétition, donc, c'est le 25 novembre, qui se situe donc au gymnase du Colombier à Belay. Donc voilà, donc, où là, il y a l'équipe 1 qui joue et l'équipe 2 sur place. Donc voilà. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute.